Bonjour et bienvenue sur cette dernière partie où on va se faire chier à faire des profondeurs et des quêtes de PNJ dont on a rien à foutre. Alors, hop, toi tu es tout là-bas. Ah mais c'est pile entre les deux quoi. Ah, j'ai vu ta cape bugger, ça m'échappe pas genre de détail. Nous, moi j'oublierai jamais en tout cas. Moi je vous invite à ne jamais oublier tout comme moi. Dans l'arène de Wolnir, lorsque vous entrez... Lorsque vous passez la porte, que vous vous arrêtez 3 mètres plus loin et que vous levez la tête, bizarrement, il manque des choses. Attends, tu sais quoi, Yo? Attends. Attends. Je sais ce qu'on va faire. Non. C'est pas que je t'aime pas, Yo, mais... Disons que ton cliché, je ne l'aime pas. Alors que Eva... Ouh... Ouais... Mais j'avoue, non mais c'est chaud, n'empêche, parce que... Si jamais tu désactives les dialogues d'exploration... Tout le développement, avec des gros guillemets, d'IO dans la dernière zone du jeu, tu l'as pas. N'importe quoi. Alors, une technique pour sprinter à l'infini, vu que là, on va pas récupérer forcément beaucoup d'XP, vous pouvez utiliser Increvable de Fion, et vous pourrez courir à l'infini. Fascinant. Sers-tu quelque chose dans le reste de l'histoire? Non. Ah. Enfin un truc. お前たちのその様子、そうか。守り手たちはすでに手遅れだったか。この塔は元々ある継承者が総督府内のシルバ様を守るために作った棺でな。継承者が力尽き、主が不在となった後、我々が一丸となって棺を守護してきたのだ。しかし、門を守っていた同志らさえ御堂の手にかかってしまった今。 Quoi, c'est ça le dialogue? C'est pourri. Mais n'empêche, donc, profitons de... Hop, racine de pouce. Mais voilà, là on a toutes les révélations. Donc du coup, on a eu l'effondrement avec les racines du... Les pouces du jugement, les épines du jugement qui sont apparues. Ça fait apparaître les espèces de... De dragons darons, je sais pas comment les appeler. Les dragons barbus, donc c'est forcément des darons qui, j'imagine, sont liés à God Eater. Pour affronter ces dragons darons, Sylva, Mido, etc. font des expériences sur Cruz pour récupérer le pouvoir des revenants. Enfin non, du coup, font des expériences sur Cruz parce qu'elle est ultra pétée. Ça devient n'importe quoi, ça crée une brume rouge, bref. J'avoue, j'ai pas tout compris, et je suis occupé à faire autre chose en attendant que le temps de chargement se termine. Parce qu'on se fait un peu chier, quand même. Et y a rien, évidemment. Bon bah, retournons au feu de camp. À la base, je veux dire. Nous avons... des profondeurs à explorer. Mais du coup, j'étais tombé sur la chaîne YouTube d'Ingus qui expliquait pourquoi est-ce qu'en fait... qui arrivait à justifier parfaitement dans le lore et dans la psychologie du jeu
le fait que les donjons Calice se ressemblent tous en fait. Et je me dis, ah ouais, c'est pas mal. Pour justifier, bon, dans le lore, c'est intéressant parce qu'on construit, les mecs construisent par-dessus les ruines des cités sumériennes, donc forcément, quand ils creusent, ils tombent sur des trucs ésotériques. Mais alors, jusqu'à justifier le fait que, vu que justement c'est tout le temps la même chose, c'est comme dans la vie en fait. C'est grosso merdo, c'est ça. Si je relis entièrement la vidéo et que je me souviens de quelle vidéo YouTube je veux parler, je la mettrai en description. Non, c'était juste que c'était une très bonne idée sur le papier, mais dans les faits, bah, il n'y avait pas assez de variété, quoi. Par manque de budget, j'imagine. Et de temps. Tout vouloir justifier, c'est pas forcément une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. Laisser une part de mystère et parfois il faut admettre que bah les mecs ils sont pas le temps, quoi. C'est tout.
Et 2, 1. Ah oui, j'ai fait oublier une chose. Bon, déjà. On se met un peu de pionnier. Hop. Mais je crains d'être trop level pour les ennemis et de récupérer aucune expérience de maîtrise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'arme signature de Jack. Et comme ça, on aura bah, toutes les armes signatures. J'ai le katana entre guillemets de Louis. J'ai le Honeybane de Yakumo. J'ai la Broderia des. Brody Aya de Mia, Io, j'ai le Damalong, Eva, j'ai la Libertador, il manque plus que l'exécutrice de Jack. Pourquoi Eva Roux, elle a une arme avec une des sonorités espagnoles? Bref, Jack, où est-ce que t'es? Arrête de prendre la pause. Jack, qu'est-ce qu'il aime? Il aime les pièces antiques. Hop! Non mais punaise, j'oublie de prendre l'épée aussi, je suis con moi. Nan. Se dépêcher, mais... On est occupé à faire des quêtes secondaires, Jack. Ne t'inquiète pas. Attends, quoi, on peut faire des coups d'estoc avec la... l'exécutrice? What the fuck? Mais j'ai pas assez. District 0 et District du Vide, les deux dernières, il nous en manque une. Bizarrement, le mec il a pas voulu spawner. Peut-être qu'en ayant complété ces deux-là, il va réapparaître. Ils sont vraiment nuls à chier, hein, ces orbes. Donc RV, donc cumul altération plus. Qui se situe là, cumul altération plus, augmente l'accumulation d'altération sur l'ennemi. Ça va augmenter de grosso merdo 25% le cumul d'altération d'état. Donc c'est plutôt sympa si jamais vous galérez à infliger un état d'altération. Et donc toile étourdissante. Les sorts de type toile, voilà, toile empoisonnée, toile étourdissante. On a les tirs et l'étoile. Et l'étoile, en fait, ça fait juste un piège à distance. Pour simplifier.
Par contre, là, j'ai tous les vestiges de l'éclairose, mais j'ai pas son code. Son code se trouvant dans la profondeur numéro 10. Là, on a fait la 9. Là, on a fait la 11. On va faire la 12. Et la 10, faut que je la fasse spawner en parlant à un certain PNJ. Et de deux, moi ça me fatigue de ouf. Bon, au montage, je vais accélérer évidemment, mais punaise, Dieu que ça me fatigue. Voilà, donc on est au bon endroit, donc il fallait terminer la suite de quêtes du revenant arrogant, et ensuite on peut parler à Richard pour qu'il nous file ce que l'on désire, les profondeurs numéro 9. Blablabla, on s'en fout, ruine rocheuse, on est bon. Et donc là, vous avez même pas en fait besoin de finir vraiment les profondeurs, juste mettre le pied une frame à l'intérieur, vous fera valider le trophée. Qu'est-ce qu'on a ramassé ? Toile de ralentissement, encore une fois, un sort de toile.
Bon, pour moi, petite pause, mais pour vous enchaîner avec la quatrième profondeur. La profondeur numéro 12, et en plus, ce qui est cool avec celle-là, c'est qu'on a un très bon spot de farm de maîtrise. Le meilleur, en fait, parce que c'est une espèce de... Ben, c'est une invasion, tout simplement, qu'on peut farmer. Alors, je l'ai farmé dans la version 1.04 du jeu. Du coup, je sais pas si c'est si on peut autant la farmer, du coup, dans cette version 1.11... vu que dans un des patch notes, je sais pas si c'est dans celui du 1.0, du 1.11 ou du 1.10, ils avaient modifié un petit peu les paramètres d'invasion. Je crois que l'invasion, si tu veux les farmer, il faut activer un objet spécial au lieu de se faire envahir tout le temps en fait. Et du coup, moi je dis c'est cool, comme ça, quand tu veux repasser par une zone que tu as déjà complétée, t'as pas besoin de trop taper encore une fois l'invasion. C'est plutôt bien pensé. Honto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, on y est, vous avez le trophée des 12 profondeurs explorées. Oui, aussi, on a ramassé le code sanguin éclaireuse, que j'ai pas vraiment montré. En même temps, j'ai masse de thunes, je pourrais m'acheter tous les... tous les vestiges instantanément, plusieurs fois, en 10 exemplaires. Éclaireuse avec le triple X. Naomi. Bonus d'étourdissement, régénération augmentée. On a modifié, amélioré et augmenté. Barrage de sang qui est très très puissant. Feu follet, c'est comme... Alors non, c'est pas comme... C'est pas comme le brasier d'encens. Feu follet, ça ressemble plutôt à braise inversée. En plus, c'est le même symbole. Même sur vrai, ça fonctionne pas exactement de la même manière. Tir ralentissant, c'est le principe des tirs, piège de ralentissement et détecteur de trouvailles. On a un sonar. Ah, item, mais bon, moi ça m'intéresse pas pour le moment. Toutes les descriptions des codes sanguins sont dans la description comme d'habitude, et pour moi, petite pause. Et de retour, je suis avec mon poncho de Jedi Fallen Order. On va sprinter. Alors cette zone, je le répète, possède le meilleur spot de farm de maîtrise du jeu. Tiens donc.
Alors, est-ce que ça marche aussi dans cette version? J'ai oublié qu'il y avait deux invasions, en fait. Ah. Allez, venez pour voir. Ça marche encore. Ces mecs ne peuvent pas passer. Ils vont venir, hein. Vous inquiétez pas, vous pouvez rester ici tranquillement, ils vont venir vers vous. L'invasion, les mecs savent toujours où vous êtes. Les mecs, vous spawnez de l'autre côté. Et voilà, ça prend du temps, mais au moins... on est quasiment safe. Si vous jouez à distance, bah c'est absolument pété comme technique. Donc, la fameuse technique du barrage de feu sur ce coup-ci. De flamme, pardon, le mot en F. Normalement, ça grésille moins qu'auparavant, que sur le micro précédent. Et je le rappelle, donc, onde de choc, là, ce truc-là, onde d'impact, ça n'agit que quand il y a un tremblement de caméra. Donc du coup, avec un marteau, c'est quasiment tout le temps, en fait. Waouh, incroyable. Et voilà, donc la fameuse invasion, elle est juste là, et donc on peut se barrer. Raté. Je sais pas ce que tu fais. Merde, c'est pas mon soin. Ah.
Vous êtes dégueulasse. Bon, ça fait beaucoup d'efforts pour pas grand chose, vu qu'en plus j'aime pas du tout le style Yakumo, enfin je suis pas. Surtout que là c'est pas adapté en fait. Donc je vais plutôt prendre une distance. Évidemment, on va prendre la meilleure de toutes. C'est trop comparé à Mia, forcément, Eva elle lui roule dessus. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il y a un petit item, et si vous le ramassez, vous allez redéclencher l'invasion. Mais c'est ouf! Ok, bon. Alors là, du coup, au moment où j'enregistre cette vidéo, la partie sur le combat de boss du canonnier du porte-lames n'est pas encore sortie. Je vais l'ajouter dans la description. C'est abusé. Le mec, il a rien pu faire. C'est dingue! C'est complètement dingue. Donc là, du coup, évidemment, je vais revenir au feu de camp, mais en même temps, je vais farmer un petit peu Atlas, même si au final, j'aurais pu juste utiliser un tonique pour juste avoir onde d'impact au maximum, vu que c'est juste un seul sort. Donc on ramasse énormément de toniques, de matériaux de l'ancien monde, etc. Donc c'est vraiment, si jamais vous avez besoin de farmer quoi que ce soit, venez ici. C'est vraiment, j'ai 2 millions, ça veut rien dire. Je pourrais passer, je sais pas, niveau 115, et je vais rester level 100. Parce que le wiki le dit pas clairement, et j'ai pas envie de vous... 126 de mémoire, ça dépend du level de différence. Mais j'aime pas Yakumo, enfin, j'aime pas son style, donc je reviens en harmonie. Je reprends mon poncho qui a une physique buggée, et en plus on va affronter. Et là, on va avoir besoin de toute notre puissance.
ça va être rigolo. Quoique j'ai pas envie de gaspiller, donc du coup je vais juste accélérer au montage les différentes le build que je fais. Ça bloque tout son bouclier, t'es sérieux? Évidemment. J'ai envie de voir un truc. Grosse cutscene. Mais voilà, donc ça confirme ce que je pensais. Mais c'est grave cool. J'ai jamais affronté ce boss. C'est quoi ça? Wow, shit! Y'a un décalage de timing, c'est abusé. Okay.
Trop stylé. Énorme, énorme. Donc du coup, évidemment, donc là, contrairement au combat de base où on n'a pas Super Einstein ou Super Smog, ici, dans ce donjon-là, donc du coup, enfin le seul, la seule profondeur qui est intéressante, c'est celle-là en fait, parce que si vous le farmez, et bah tout simplement, vous pouvez avoir les deux variantes du même boss. Vous sortez, vous rentrez, vous farmez les clés, donc sur le côté, donc du coup, il faut re-affronter canonnier. D'un côté et la porte-lame de l'autre, et après vous affrontez soit la super canonnière, soit le super canonnier, soit la super porte-lame. Bref, c'est un bon deal. Donc moi j'ai fermé un petit peu ici, histoire de garder énormément de thunes, histoire de tout maîtriser. Et surtout, bah, avant de quitter cette partie-là, on a quelques flashbacks à explorer. Non, limite, c'est ça, en fait. Genre, je vais speedrunner une autre partie et vous montrer la version alternative du combat avec la super porte-lame. Je pense... J'ai pas besoin de faire une minute boss. Je pense que les combats restent très similaires. Faut juste avoir dans votre build une défense contre le feu et la glace, quoi, c'est tout. Et avoir de bons réflexes. Silva-san no moto ni mukau toki ni wa douka watashi o tsurete itte kudasai. この写真の女性を探してるんだけど、何か情報を持ってない？この辺じゃ見ない顔だね。名前は？ジェシカ。フルネームはわからない。一応知り合いの情報屋に当たってみるけど、場合によっちゃ高くつくよ。構わないわ。何かわかったら教えてちょうだい。 ひとまずそれらしい人間の情報は集めてみたい。すごい、こんなに細かく。これだけの情報があればきっと探し出せる。いや、絶対に探し出してみせる。謝礼はいかほどかしら。その前にこの子はあんたの何なんだい？大切な人よ。私の 大切な人よ。なるほど。ね。謝礼はこの子が見つかったらでいいよ。そんな、これだけの情報かなりの費用がかかってるはずじゃ。けなげな女は応援したくなるもんだ。額はあんたが無理ない範囲で決めてくれ。幸せになるんだよ。
これはまた懐かしい話だね。ナオミの思いは成就したのかね。しかし、こんな記憶を復元するんじゃないよ。恥ずかしいじゃないか。別に、知らなかったところで誰も困りゃしないよ。ほんと、おかしなやつだね、まったく。結局、私の記憶は見つからないか。まあ、そうだろうと思ったよ。やっぱり、忘れてる記憶なんてないのかもね。まあ、せっかく体を張ってもらったんだ。こっちも相応の誠意は見せないとね。前に一人息子がいたって話をしただろ。生まれつき体の弱い子でね。まだ大崩壊の前の話さ。母一人子一人生き抜くために必死だった。時には法を犯すギリギリのこともしてきた。どんなに辛くても自分らしく生きていく。息子とそう約束してね。でもその結果、私には親の資格がないって言われて息子を奪われた。結局のところ私にはあの子を育てるだけの能力がないって判断されたんだろうね。あの子のためと思って私は身を引いた。自分らしく生きていくという約束を破って、あの子の病状が悪化して亡くなったって知ったのはそのすぐ後だった。たった一枚の紙切れが送られてきてね。あの子との日々は全部覚えてる。忘れるはずがない。でももし忘れてしまった記憶があったなら、もしあの子の死に目に駆けつけてる、そんな都合のいい記憶があったならなんて、そんなことあるわけないのにね。別にあんたが謝るようなことじゃない。手間を取らせて悪かったね。目当ての記憶はなかったけど、いろんな人の思いが分かって嬉しかったよ。ありがとね。まあ私はこれからも好き勝手にやっていくよ。今度こそあの子との約束を守りたいんだ。あんたもあんたの進みたいように進めばいい。それがどんな選択だろうと私は応援するよ。Et en plus, ce qui était cool, c'est que dans la démo jouable du jeu, on affrontait du coup la super porte-lame. On avait une profondeur exclusive à la démo jouable et on affrontait juste la super. Enfin, on affrontait la porte-lame puis la super porte-lame. Il n'y avait pas de canonnier. Mais bref, un truc plutôt cool.血類の不法所持の報告を受けて、他の仲間たちと一緒に私はレブナントの集落に向かった。しかしそこで見つけたのは血類ではなく、家畜として生かされていた数人の人間だった。その中に見覚えのある一人の女性を見つけた。名前はジェシカ。デイビスが探していた。あの婚約者だった。救助した人間は例外なく総督府管理下の保護シェルターに案内する。それが決まりだった。せめて環境の整った施設に入れてもらえるよう話をつけておいた。これで彼女がレブナントに苦しめられることもないだろう。タイロンという婚約者を探しているようだったが、私には何も答えることができなかった。いや違う、答えなかったんだ。答えたら
デイビスという存在が消えてしまう気がして。ジェシカのことを何度もデイビスに伝えようと思った。伝えるべきだとも思った。でも彼女が生きていることを知ったら、彼はそう思うたびに言葉が出なくなった。ごめんなさい、デイビス。自分でも卑怯な女だと思う。でもそれでも私はあなたのことが。もはや取り戻せるものなどないと半ば諦めていたんだがな。すまなかったな、ナオミ。お前の気持ちも知らずにずっと苦しめてしまった。ジェシカを救ってくれてありがとう。本当に感謝してもしきれない。いや、いいんだ。たとえジェシカが見つかっても、最初から名乗るつもりはなかった。レブナントと人間は相入れない存在。無事でいてさえくれれば、それでよかったんだ。俺は、デイビスとして生きていく。俺を愛してくれたナオミの思いを背負って、ジェシカを影から見守っていく。ありがとう。俺に希望を届けてくれて。Voilà, enfin on n'a plus de flashback à faire avant... avant deux vidéos. Donc qu'est-ce qu'on débloque ? Alors, réduit la vitesse de consommation de la jauge, ça je crois qu'on a genre 25%. De toute façon, évidemment, je mettrai dans la description comment ça se passe. Ouais, juste pour un seul, 47, il fallait. On claque la thune. Augmentation des dégâts, je crois qu'on a par les absorptions chargées. Ouais, mais est-ce que les backstab et les paris, c'est des absorptions chargées? Est-ce que les uppercuts, c'est des absorptions chargées? Ça, faudrait que je vérifie. Io, pour le moment, tu m'intéresses pas. Le plus intéressant ici, c'est évidemment le bonus d'étourdissement et le barrage de sang. Comme vous avez vu, pu voir, le barrage, les techniques de barrage, elles sont ultra violentes. J'ai perdu que 200 000. Je sais pas quoi faire de toute ma thune. À part acheter des color swap. Bref, cette vidéo a duré assez longtemps. 4 profondeurs en une vidéo, c'est quand même beaucoup trop. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau cosplay et pour les boss finaux du jeu. Ciao !